Dans le centre historique de Paris, l'ambiance n'est plus la même ces derniers mois. Les touristes d'habitude si nombreux ont déserté. Mais autour de Notre-Dame, c'est un an avant la pandémie que tout a changé. On avait un monde dingue sur le parvis, ça faisait la queue, il y avait plein d'attractions autour, c'était une vie quoi en fait. Et on se rendait pas du tout compte de la chance qu'on avait quoi. Le 15 avril 2019, la cathédrale bâtie il y a 8 siècles manque de disparaître. Sa toiture est ravagée par les flammes. Regarde, ça tombe, ça tombe. Cette soirée, Sébastien Margot Parisot ne peut pas l'oublier. Il y a assisté depuis son appartement, situé à quelques dizaines de mètres. On ressentait beaucoup la chaleur. On n'avait pas trop l'odeur, mais c'était assez étrange et très, très impressionnant. Et un bruit, au-delà du fait qu'il y avait les pompiers partout. Les gens, on entendait des cris en bas en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Personne ne comprenait en plus. Depuis l'extérieur, difficile de deviner l'avancée du chantier. Des travaux qui ont débuté dans les jours suivant l'incendie. Plus de 200 entreprises auront travaillé sans relâche pour sécuriser le bâtiment. À 27 mètres de hauteur, les voûtes sont cintrées de bois pour éviter de perdre la moindre pierre. Des cordistes appliquent du plâtre pour consolider les contours du trou béant laissé par l'effondrement de la flèche. La flèche était ici. Il faut imaginer la flèche de Viollet-le-Duc entre ces deux pignons, le pignon nord, le pignon sud. Le soir de l'incendie, c'est cette tour qui nous a fait peur parce que le beffroi, c'est-à-dire la partie qui tient les cloches à l'intérieur de la tour, menaçait d'être la proie des flammes. La structure ne risque plus aujourd'hui de s'effondrer et sera bientôt à l'abri des intempéries. Comme envisagé, plus de 24 mois auront donc été nécessaires avant de débuter la restauration. Objectif, que tout soit achevé dans 3 ans. Pour l'instant, seules 2 chapelles sont rénovées, comme celle-ci. Les décors retrouvent des couleurs perdues depuis des décennies. Il était très encrassé, très noir. C'était pratiquement illisible. On avait du mal à discerner les différentes couleurs, les détails. Cette première phase des travaux aura coûté 165 millions d'euros, environ 2 fois plus que prévu initialement. Au total, 830 millions d'euros ont été collectés, des donateurs particuliers, des entreprises et des grandes fortunes. Une enveloppe, objet de nombreuses questions. En septembre dernier, la Cour des comptes a demandé plus de clarté dans la gestion des fonds. De rétablir une transparence complète pour les donateurs et pour ça d'arriver bien à distinguer où vont leurs dons. Leurs dons sont faits pour la restauration et la reconstruction de la cathédrale. C'est déjà le cas dans l'immense majorité. Mais il serait souhaitable qu'en effet le fonctionnement ne soit pas une occasion de prélèvement pour l'État. En charge de la collecte, la Fondation du patrimoine a appelé l'État à communiquer davantage sur l'usage des dons. Face au surcoût déjà constaté, l'enveloppe actuelle sera-t-elle suffisante? Son président se montre optimiste. Le bâtiment faisant 4800 mètres carrés, nous sommes à 150 000 euros du mètre carré de capacité en matière de travaux. Et ce sont des montants extrêmement importants. Nous pensons que le budget devrait permettre une très très belle rénovation. Parce que le budget est considérable. Donc nous, notre job, ça va être de vérifier qu'il n'y a pas de dépenses excessives, que l'argent est bien utilisé. Si aucun retard n'est pris, la phase de restauration devrait débuter d'ici l'hiver prochain. Bien loin de Paris, un acte clé s'est déjà joué, la sélection des chaînes dont le bois servira à reconstruire la flèche de Notre-Dame.